Bonjour à tous. Suite à ce que nous avons filmé en vision nocturne lors de notre précédente urbex, nous avons décidé de retourner au sanatorium, mais cette fois-ci pour accompagner Sophie et Arnaud, enquêteurs du paranormal et médium. Dès notre arrivée sur les lieux, nous nous munissons d'un K2. Celui-ci est un boîtier qui capte les ondes électromagnétiques et qui allume des diodes s'il détecte une entité, car apparemment, les entités seraient chargées en ondes électromagnétiques. Nos téléphones seront éteints tout au long de notre enquête afin d'éviter que des ondes parasites fassent fluctuer le K2. A savoir que celui-ci ne se déclenchera pas une seule fois tout au long de cette enquête, ce qui n'est pas étonnant puisque Sophie est médium, et donc, pour les entités, si entités il y a, il est plus simple pour elles de passer directement par Sophie pour nous montrer leur présence. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, et si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Bon visionnage! C'est ça, ils sont là un peu plus loin. Juste un instant, un peu de temps. D'accord. Et vous le ressentez comment? C'est de l'oppression? C'est... Oui, je n'ai pas du tout peur, mais je sens effectivement comme une sorte de compression. D'accord. Sur les ressentis, juste là, oui, en remontant. En remontant.
C'est le réflexe. En fait, c'est ça, il venait récupérer les plateaux ici. Ouh, un vieux congélateur qui va regarder ce qu'il y a dedans. De l'eau et ça va, rien de suspect. Thank you.
trouve pas très bien. Je n'ai pas encore de ressenti. Je n'ai pas vu le fait de me reposer à travers moi. Oui, là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Voilà. On n'a pas fait cette partie là. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a des... Ça ressemble à des fautes de yaourt, hein? Non? Est-ce qu'il y a en fait des stocks alimentaires qui étaient sûrement... je ne sais pas. Qui me guide en fait m'oriente, c'est sur la partie de l'emprise militaire allemande, les françaises, en première partie sur les soldats français en 14-18, puis après en fait la mobilisation forcée auprès de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une partie qui m'intéresserait, je pense que Freddy également. Oui, pour le coup. C'est une partie qui en fait. Qui m'est cher, parce que je pense que c'est une nouvelle manifestation qui va faire quelque chose. Alors, effectivement, cette partie est plus longue. Donc, si j'ai dit de, en fait, je pouvais me remonter, parce qu'apparemment, depuis, depuis hier, en fait, je me sens divisée par. Par en fait, c'est que. Attention parce que là ça monte. Oui, attention la marche. Alors c'est possible que ce soit le 8-06-16. Oui, donc ça c'est c'est quand même curieux. C'est les équipes d'Airsoft. Est-ce que c'était par rapport en fait aux entraînements ou à l'Airsoft? Voilà. Parce qu'ils organisaient des. Vu la date, c'est quand même. Par contre, non, on n'était jamais venu dans cette partie-là. Il y a encore une grande pièce là. Une pièce à côté. Ah, il y a encore un couloir. Il y a des pièces partout en fait. C'est des armoires électriques. Là, il y a une pompe de relevage. Il y a en vision et en ressenti, en fait, quelque part ici, il doit y avoir des inscriptions, j'en suis sûre, quelque part, concernant la traçabilité des soldats. Je ne sais pas où, mais en fait, depuis hier, ça me trottine dans la tête. Oui, parce que moi, c'est ce que je ressens encore là. Alors, moi, je ne vois pas très bien, par contre. Là, c'est bien marqué K-K-K-K. Et là, ici... Attends, enlève. Pilou, non? Pilou. Ouais, là, c'est marqué Pilou. Ah,
après. Ouais. Souvent, en fait, les soldats, quand en fait ils se marquaient, ils avaient tendance à marquer avec des codes. Avec des codes, et puis souvent. Ouais, voilà, et puis ils mettaient la date par rapport à leur unité. Ouais. 1952. Alors, 1952. Ah, alors là. 52. Voilà, donc là, c'est plus par rapport à l'emprise. Ou certainement personnel, oui. Oui. Et pourtant, en fait, moi, depuis hier, je me sens très. En fait, comme si j'étais aimantée. D'accord. Voilà. Et je suis sûre que quelque part, je vais y avoir en fait des instructions. Les cuves à fioul. Non, ce couloir-là, on ne l'avait jamais fait, hein, celui-là. Je pense par rapport à tout ce qui conduit d'alimentation. Ouais, sûrement. Ouais. Sûrement les autres, je pense. T'en penses-tu du conduit de canalisation d'eau, ça non. Oui, c'est dans l'entreprise, c'est sanitaire. Ouais. Cette orientation sur voilà, les emprises sur tous les soldats. Et puis surtout, effectivement, sur le lieu même où en fait on est venu à plusieurs reprises parce que on venait par là. Thank you.
pas d'obligation pour cela. Parce qu'en fait, on peut, à un moment donné, dans notre enquête et notre visite, pour nous faire un petit écoute, si vous voulez bien. Vous savez qu'en fait, on n'est pas là pour demander, mais juste pour communiquer. Je sais qu'en fait, on est sur la partie souterraine, je sais que vous êtes en mesure de nous entendre, puisque vous pouvez être à différents endroits en même temps. Donc ce n'est pas vraiment un souci. La matière pour vous et les lieux en même temps n'est pas un souci pour se rentrer en communication. La communication ne comporte pas spécialement à déclencher, mais elle peut se faire, je le répète autrement, par différents moyens. Ça ressemble à du... C'est du sel, c'est quoi ça? Des tartrans. Des tartrans. Ouais. Surtout là, on est dans une région. Là. C'est aussi surtout utilisé pour la maintenance. Là, on voit qu'il y a un chiffre 3. Anciens tunnels qui ont été fermés. Mais ouais. Alors apparemment, comme il a été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre, ils auraient construit. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, c'est des. Ils auraient construit des souterrains partout sous le complexe. D'accord. Comme ils avaient l'habitude de faire. Ouais, c'est ça. Et apparemment, il y a des entrées qui sont encore ouvertes sur l'extérieur. C'est marrant, ça remonte là. Thank you.
j'entends, on me dit oui, j'étais sur le lieu, je suis décédée. Et j'entends soldat. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas entendre, puisqu'en fait, c'est le guide qui me le dit en fait pas. En fait, alors, il y en a qui s'amusent, effectivement, comme vous voyez ici, sur les lieux, à marquer en fait des divinités, hein, comme le chiffre du diable, 666. Donc ça, c'est des personnes qui viennent pour le site, pour se donner des frayeurs, et qui n'ont aucunement en fait de service pour donner des enquêtes. En fait, à la base, ça peut être pour n'importe quelle évolution de médium, en fait, ils sont en fait des guides qui apparemment leur souffle. Je pense que ça doit sûrement mener où il y a un fameux couloir qui relie à l'annexe. Dans le corridor. Il me semble bien. Le sentier, ça doit conduire à, en fait sur. Ouais, c'est ça. Il mène au corridor, ouais. C'est là que. Dès que j'entends, en fait, je dis à voix haute ce que j'entends. Donc deux prénoms, hein, donc Georges, qui est un soldat, et Charles, qui est un